They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause they're stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en recopie vidéo sur mon Mac. Je vais vous montrer comment traiter cette image HDR. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée avec mon iPhone 12. Si je l'ajoute directement sur Final Cut Pro, eh bien vous allez voir qu'elle est très éclaircie et on va remédier à ça. Donc bien sûr, quand on l'ajoute à la timeline Final Cut Pro, ça nous dit bien qu'on a un plan HDR et qu'il va falloir le traiter pour plus qu'on ait tout simplement les petits effets lumineux qu'on a juste ici et pour rendre l'image plus nette. Donc là, vous venez directement dans les effets, ici, effets vidéo, vous allez taper tout simplement HDR et vous aurez l'outil HDR. Vous le glissez sur la vidéo et déjà, c'est plus éclairci. Maintenant, vous allez venir ici dans outils HDR et le mode, on va le changer en HLG vers Rec 709 SDR et vous allez voir que l'image sera totalement redevenue normale. Donc voilà, vous savez maintenant comment traiter les images HDR sur Final Cut Pro pour ne plus avoir cet effet lumineux. Si ça a fonctionné chez vous, eh bien n'hésitez pas à mettre le pouce bleu sous la vidéo, ça montrera aux autres personnes qui regardent que ça a fonctionné chez vous. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, vous avez par exemple la vidéo qui vous permet d'acheter un Mac moins cher si vous l'achetez sur Apple.fr ou en Apple Store. Et si vous voulez également voir une autre vidéo de ma chaîne, c'est tout simplement comment nettoyer le boîtier de ses AirPods ainsi que les écouteurs avec le petit outil adapté. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.